Tragrau, Mordidier, Jouzaki, Crawlinson, Kennedy entier, Détermination de vaincre, L'Etoile pour trois. C'est Sirra, Grassider. La compagnie Travelers du Canada. Allez, viens sur mes genoux. Oui,
La bonne petite Fifi et son papa. Oui, comme ça. Oui. Plus bas. Voilà. Bethlehem en 0-10. C'était la nuit de Noël au pays de Judée, Vendée et Sunday. Tous les gens sont dedans leur maison à manger de la dinde. Le prélat romain, pirogue, avait ordonné un recensement. Joseph et Marie sont descendus à Bethlehem pour s'inscrire à leur pôle, car Joseph venait de la maison de David, section Goglu. Il était sur le gros nerf. Marie allait accoucher et nulle place où trouver des cigares. Voulant économiser un motel, ils allèrent coucher dans une crèche d'étable. Marie avait reçu la visite de l'ange Gabriel qui lui avait annoncé l'inoculée conception, c'est-à-dire qu'elle tomberait enceinte par la verrue du Saint-Esprit, qui était grande. OK, c'est correct. Et là, averti par le Saint-Esprit, accoururent les bergers. Dans l'étable, tout était stable. Le petit enfant Jésus reposait dans le rayon du bœuf. Au-dessus de sa tête, le petit enfant portait un biscuit de lumière, un oréo. Joseph priait dans sa barbe. De l'autre bord, il y avait l'âne qui réchauffait le nourrisson divin. Et alentour, il y avait les bergers, Yvan Ducharme, Rita Bibeau, Steve Fizette et Claudine Châtel. Et dans les cieux, l'astre, lui. Cela faisait des mois que les rois mages suivaient l'étoile. Et là, le long du chemin, ils se comptaient des jokes, genre « C'est quoi la différence entre un chameau et un dromadaire? » C'est quasiment pareil. Et là, ils arrivèrent au pays de Galilée, le gars qui avait renié sa théorie trois fois avant le chant du coq, là. Après Nazareth, ils croisèrent Cadoret. Les rois mages avaient marché des lieux pour rendre gloire à l'ongle incarné. Il y avait Balthazar, un noir, Melchior, un chinois, et Skeletor, un bâtard. Ils apportaient du lard, de la tire et un fortune coquille. Alléluia. Mais Jésus, le sauveur des hommes, ne sait pas ce qu'il attend. Les portes du mal le guettent. Ne manquez pas Jésus contre Godzilla. Ouh là là, regardez-moi cette crasse, comme c'est sale. Et ici, c'est ferme, c'est dégoûtant. Ici, cette franche odeur de même propreté. J'ai besoin d'un produit efficace qui vient à bout de la trace, des grosses cernes et des mauvaises odeurs. Si une personne de votre entourage s'adresse à des appareils ménagers, c'est qu'elle est atteinte de déficience mentale. Un message de Santé mentale, Québec. Nous sommes fiers de vous présenter les moins pires moments de Rock et Belles Oreilles. Sure, c'est Wayne Gretzky. À mon nom, c'est Tragrav, Pur de Dieu, Juzaki. Crawl ensemble, Canada entière, détermination de vaincre, l'espoir pour toi. C'est Rock Grassider. Les fabricants Ford et Mercury. Après la famille Simard et la famille Stanton, Guy Cloutier, pas encore tanné de faire de l'argent, vous présente la famille Stachny et leur album Groschnar Morski. Les frères Stachny, enfin réunis sur un même disque, vous chantent les plus belles chansons de leur leur pays natal. Vous entendrez Groschnar Morski. Groschnar Morski, Groschnar Morski, Groschnar Morski, Groschnar Morski, hey! Vous découvrirez Groschnar Morski. Groschnar Morski, Groschnar Morski, Groschnar Morski, Groschnar Morski, hey! Sans oublier Groschnar Morski. Groschnar Morski, Groschnar Morski, Groschnar Morski. Et leur chanson préférée, Groschnar Morski. Groschnar Morski. Groschnar Morski. Groschnar Morski.
procurez-vous Krochnar Morski, des frères Stachny, un autre produit Gamic International. Hey! Super capote.
Chacha, que ça éveille chez moi des sentiments flous.
Et tu sais que je connais bien Madame le Duc. Ici, un double Travolta. On s'achemine vers une finale absolument magnifique. Mexicanos, Mexicanos. Oh, voilà. Quelle jolie finale. Oh là là, bravo, Lee le Duc. Quel beau momentum. Et là, là, ce qu'on attend, c'est la décision des juges. Oui. 9, 9.5, 9, 9.5, 9.5, 4. C'est sûrement un Russe qui a donné la basse note de 4. Oui, mais quand même, le couple le Duc se remporte le championnat, c'est officiel, ainsi que la splendide boule miroir. Gracieuseté de grosses boules miroirs et frères. Alors, bon dansage et à la prochaine sur la Pitoune 14. Ça donne le goût de jouer au hockey? Oui! Ouais. 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 Ouais.